C'est sa première rentrée. Le recteur d'académie, Mostafa Foura, rendra son bilan relativement positif. La cellule de crise dédiée à la grippe A a tenu tout à l'heure sa première réunion. Autour de la table se trouvaient l'inspecteur d'académie, des médecins et des représentants du corps enseignant. Ils ont pour mission de collecter les données recueillies par les chefs d'établissement d'en aviser le recteur d'académie. Mostafa Foura nous confirme que plusieurs élèves étaient absents aujourd'hui, mais que le chiffre ne sera pas révélateur du taux d'absentéisme. Je vous propose de l'entendre. Il est au micro d'Ingrid Joubert. Effectivement, nous avons eu des enfants qui se sont pas présentés aujourd'hui dans les écoles, mais ça, c'est déjà, ça veut dire que les parents sont informés et ont décidé de garder leurs enfants parce qu'ils ont vu qu'ils avaient des symptômes. Certains les ont amenés chez les médecins. Il y en a qui ont téléphoné au directeur d'école pour les informer que leurs enfants présentaient des symptômes. Mais rien d'alarmant. Il y a pas mal d'absents, mais l'absentéisme pour le premier jour est habituel également parce qu'il y a des enfants qui sont angoissés pour l'entrée, surtout ceux qui rentrent pour la première fois à l'école.